Là. On est à quelques heures de 2020. Il va y avoir beaucoup de changements, mais avant de ça, on va tout simplement faire un petit bilan, comme l'année dernière. On va essayer de faire ça tous les ans. Moi, je pense que c'est bien. Donc, petit bilan de l'année 2019. Une année 2019, ma foi, plutôt bien remplie. En tout cas sur la chaîne, en termes de cinéma, en termes de vidéos. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé cette année 2019, assez passionnante en un sens. Je ne saurais pas dire comment ça se fait, on essaiera un petit peu de développer lorsqu'on arrivera dans la semaine du bilan, du réel en termes de cinéma, top, flop, etc. de l'année 2019. Mais je trouve que c'est une année qui a été vraiment vraiment intéressante parce que moi elle m'a permis de découvrir beaucoup de choses en tant que cinéphile mais également en tant que pur spectateur et en tant que créateur et au-delà de ça ça reste une année qui je le pense va être décisive en termes de cinéma parce qu'elle a montré qu'il y avait vraiment beaucoup plus de manières de concevoir le 7e art que ce que je ne pensais c'est-à-dire que réellement cette année j'ai pris conscience que il y avait des possibilités de cinéma qui étaient autres que dans les salles. C'est-à-dire que j'ai réellement découvert par le biais de certains distributeurs qui m'ont fait assez confiance pour me laisser voir des films qui n'avaient pas le droit à une bonne distribution, des petits longs-métrages que j'ai pu vous montrer. Par le biais de Netflix, qui a tout de même été assez prolifique cette année en termes de cinéma, en proposant du très bon comme du très mauvais. Par le biais aussi du DVD qui m'a permis de découvrir des petites perles à gauche et à droite et de vous conseiller, encore une fois, de vous diriger dans cette direction pour arriver à vous faire un avis sur un autre style de cinéma. Un cinéma plus intime, parfois beaucoup plus cheap, mais surtout un cinéma qui cherche à amener le 7e art dans une autre direction. Une direction plus difficile parfois à cerner, peut-être plus complexe, parfois plus crétine, mais surtout une autre direction que ce qu'on a l'habitude de voir, on va dire, sur les gros secteurs de production audiovisuelle. Là où on voit les gros blockbusters, les gros divertissements, les grosses comédies françaises. Du coup, cette année 2019 a été un peu une révélation pour ça, en tout cas de mon côté, en tant que critique sur YouTube, parce que j'ai découvert que on avait aujourd'hui une certaine légitimité en tant que critique sur Internet pour pouvoir mettre en avant et porter certains films qui n'ont pas forcément plus que cela le droit à une grosse ou en tout cas une bonne sortie en salle. Donc en cela déjà, je tiens à remercier les distributeurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont envoyé des liens pour voir ces films et qui m'ont permis du coup de pouvoir me faire un avis sur des films que je pense sinon je n'aurais pas pu voir en salle. Donc là, mille fois merci. Au-delà de ça, je pense que c'est important de rappeler que la distribution vidéo reste une des distributions dans lesquelles on découvre le plus de choses et où un film peut avoir une seconde vie, mine de rien, s'il n'a pas bien marché en salle. Donc pour toutes ces raisons, je dis merci au cinéma, encore une fois. Bon, passé cela et cette petite introduction, maintenant on va passer au bilan de la chaîne en 2019, où il s'est passé beaucoup de choses, encore une fois. J'ai encore une fois pondu beaucoup de vidéos, peut-être un peu trop, encore une fois. Je crois qu'on a atteint les 325 critiques de films, vraiment pures et dures, sur cette année. Ce qui est un chiffre qui, encore une fois, me terrifie parce que je me dis... Valentin, t'as fait 320 critiques de films en 2019. Et je me dis que j'ai passé beaucoup trop de temps. J'espère que ce temps n'a pas été inutile parce que ça vous a peut-être permis de découvrir certains films, mais je me dis que... Ouais, ça fait beaucoup de temps. Parce que 320 fois 10 minutes de critiques, ça fait beaucoup. Et encore, je compte pas les critiques où je passe une demi-heure, voire trois quarts d'heure, voire une heure à parler de films avec des collègues. D'ailleurs, ça c'est un point que je voudrais aborder. Je suis assez fier de cette année 2019 parce que je trouve que j'ai réussi à faire beaucoup plus de collaborations que je n'ai pu le faire les années précédentes. Et ça m'a permis de à la fois faire participer des personnes qui n'avaient pas encore participé à la chaîne et avec lesquelles j'avais envie énormément de collaborer. Je pense à Nicolas avec qui on avait fait une petite critique l'année dernière, mais qui cette année a été beaucoup plus présent sur la chaîne, Nicolas Guilbeault. Je pense à Mathieu Hague avec qui j'ai encore une fois fait des collaborations très intéressantes. Je pense à Nicole Henway, je pense à Kevin Robic, je pense à FX, je pense à Hugo avec qui j'ai fait beaucoup de choses. Toutes ces personnes-là, elles ont réussi à avoir une petite place sur la chaîne et cette petite place a pris encore plus de proportions avec l'année 2019 parce que
ils ont été plus présents. Donc ça, c'est un point sur lequel je suis assez fier, c'est que j'ai réussi à tenir beaucoup plus de critiques en duo et donc de pousser, on va dire, des choses un peu plus loin. Je suis notamment très fier, par exemple, d'avoir réussi à réunir 4 personnes pour la critique de Star Wars 9 et 3 personnes de plus que moi pour la critique de Avengers Endgame, ce qui a tout de même donné lieu à un joli petit débat très intéressant et ça nous a permis aussi de comprendre pourquoi Infinity War nous avait déçus. Et mine de rien, ça reste des vidéos sur lesquelles c'est pas uniquement moi qui vous parle face caméra, et il y a un vrai débat avec d'autres personnes. Et je pense que c'est les vidéos qui sont les plus intéressantes. C'est pour ça que je trouve par exemple que les vidéos des gardiens du cinéma, maintenant cette année, c'est devenu quelque chose de passionnant parce que c'est plus une personne devant une caméra, c'est tout un groupe. Et quand il y a un groupe, généralement, il y a une conversation beaucoup plus intéressante qui se met en place. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'au fil de cette année, il y a eu beaucoup plus de critiques qu'avec une autre personne, ou deux autres personnes, ou trois autres personnes, ou quatre autres personnes. Et ça reste des expériences que j'aime bien faire parce que ça m'aide à la fois à réfléchir sur un film et en plus à pousser la réflexion plus loin. Au-delà de ça, je tiens à faire le bilan aussi de Utips. C'est un peu comme les éditos de l'année dernière, je suis un petit peu en demi-teinte. Et j'ai envie de vous dire à la fois que j'ai trouvé l'expérience intéressante, parce qu'encore une fois, on est sur un format où il faut arriver toutes les semaines à proposer quelque chose le mercredi matin qui soit écrit, qui soit monté, qui soit bien fait et qui ait un propos. Et je sais que ça m'a été beaucoup reproché de, par moments, m'attarder sur des points assez anecdotiques. Je tiens à dire que c'était souhaité parce que j'avais envie vraiment que chaque mois, il y ait une thématique, il y ait quelque chose à aborder et qu'on aille vraiment dans les détails pour faire en sorte que lorsqu'on arrive à la fin de l'année et de ces 50 Utips, il y ait quelque chose qui se forme. Il y ait un vrai tout qui semble cohérent et qui fasse que si on les mate bout à bout, ces vidéos permettent d'avoir une bonne base pour démarrer sur YouTube. Encore une fois, c'était des conseils. Je ne dis pas que c'est la science infuse. Et ça, je l'avais présenté dès le début d'année lorsque j'ai annoncé le concept. Ça n'était pas supposé être la science infuse du concepteur audiovisuel qui débarque sur YouTube depuis à peine 5 ans et qui veut donner absolument tous les conseils pour avoir la clé de la réussite. C'était juste moi qui vous donnais des petits détails, des petites clés pour ouvrir des petites portes et pour aller dans la bonne direction. Pas la direction parfaite, une direction intéressante. Je ne sais pas si ça aura marché, ça sera à vous de me donner votre avis dans cette vidéo, de me dire si ça a eu un intérêt ou si c'était juste moi qui me suis complètement perdu dans ma création de vidéos et dans le trop-plein de vidéos peut-être. Mais en tout cas, ben j'ai beaucoup aimé faire ça. J'ai trouvé que c'était intéressant. Je ne sais pas si ça vous a complètement convaincu, mais moi de mon côté, je suis assez convaincu de ce que j'ai proposé. Après, il y a un autre point, c'est cette année, il n'y a pas forcément eu des nouveaux concepts sur la chaîne. J'ai plus perfectionné par contre des concepts. Par exemple, le format auteur, qui est un petit peu, on va dire, le découlement de l'artiste derrière l'homme ou la femme, que je trouve vraiment intéressant. C'est un format que je vais continuer pendant très longtemps parce que honnêtement, je m'éclate déjà à l'écrire, je m'éclate à le monter, à le réaliser, et je trouve que c'est un format où je me sens beaucoup plus libre d'interpréter les propos, les perspectives et les thématiques d'un metteur en scène. Parce qu'encore une fois, là, dans l'artiste derrière l'homme, j'essayais d'être très synthétique. J'essayais vraiment de brasser l'entièreté de sa filmographie et de voir ce qui traversait toute son œuvre. Là, c'est beaucoup plus intéressant parce que à la fois, je fais ça et en plus, je m'attarde sur deux ou trois films d'un ou d'une cinéaste. Et du coup, ça me permet de pousser le propos encore plus loin et d'arriver à cerner parfois des choses que dans l'artiste derrière l'homme ou la femme, j'avais eu tendance à mettre un petit peu de côté. Donc ça, c'est un format que j'aime beaucoup et que je pense que je vais vraiment continuer à explorer pour essayer de voir jusqu'où je peux l'emmener. Après, ce qui est intéressant aussi en 2019, c'est que mine de rien, il y a des concepts que j'avais un petit peu mis de côté les années précédentes, qui sont un peu revenus sur le devant de la scène, au fil des films par exemple, qui a vraiment repris une grosse ampleur, parce que mine de rien, il y a eu pas mal de grosses sagas qui sont arrivées cette année, et ça m'a permis de les remettre en avant, et de m'attarder également à nouveau sur des détails ou des choses comme ça. Donc là-dessus, c'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé les quelques hors-séries que j'ai fait, sur juste la saga X-Men par exemple, ou sur d'autres trucs, des thématiques, comme par exemple la série Z à Hollywood, ou des choses comme ça. C'est des trucs très basiques en somme, mais sur lesquels je m'éclate parce que j'arrive à interroger à la fois vous et moi sur des choses que bah, des fois on pourrait juste laisser de côté. Je veux dire par exemple la série Z, le nouvel Hollywood par exemple, c'était un truc sur lequel je me suis dit « Attends, ça se trouve, ça va peut-être pas forcément convaincre tout le monde ». Et en fait, ça a plutôt bien marché comme vidéo parce que je pense que ça vous intéressait de voir
à quel point aujourd'hui on a tendance à un peu considérer que le divertissement, ben, c'est une bonne blague et pas grand-chose de plus. Et il y a plein d'autres petits trucs comme ça que j'ai trouvé intéressant. Encore une fois, cette année, c'est une des choses que j'adore le plus, mais c'est faire des interviews. Et là, il y en a encore eu beaucoup cette année. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette année, mine de rien, il y a eu pas mal d'interviews qui ont bien marché. Je pense par exemple à l'interview de Dujardin et Dupieux, qui elle, pour le coup, a dépassé complètement mes attentes. Je me suis dit, bah, ça va intéresser quelques personnes, mais ça vous a vraiment intéressé. Vous vous êtes vraiment laissé totalement embarquer par cette interview et ça vous a complètement pris. Bien plus que ça n'avait été le cas avec I Feel Good, où là, qu'Hervé Indelépine et Dujardin, ça n'avait pas forcément aussi bien marché. Mais là, bah, vous vous êtes laissé entraîner et moi, je suis content parce que cette interview, un jour, je vous raconterai un peu les envers du décor des fois des entretiens que je fais, mais là, cette interview-là, j'en garde pas un hyper bon souvenir. Mais la vidéo en elle-même, je la trouve très intéressante parce que on sent que Dupieux et Dujardin, ils se complétaient beaucoup et qu'ils avaient énormément de choses à raconter sur le film et sur l'envers du décor. Et je trouve que ça se ressent dans cette vidéo. En global, pour faire simple, encore une fois, c'est une année où j'ai essayé de proposer le plus de vidéos possible pour que vous ayez un panel très large de tout ce qu'il y a au sein de la production audiovisuelle internationale qui sort dans les salles françaises. J'espère encore une fois que ça vous semble complet. C'est surtout ça le plus important, mine de rien. Je vais redire un petit peu ce que j'ai dit l'année dernière, mais le but, ça n'est pas forcément de noyer les gens qui vont me suivre régulièrement dans trop de contenu. C'est surtout de faire en sorte que vous ayez le choix et que vous puissiez regarder ou choisir le film que vous allez voir ou non dans les salles de cinéma. Donc j'espère vous arriver à vous proposer un catalogue quand même assez large pour que vous puissiez avoir des choses à regarder, ou même à découvrir tout simplement, parce que mine de rien, le cinéma, c'est aussi de la découverte. Donc là-dessus, c'est ce bilan que j'ai envie de tirer de l'année 2019. C'est une année où il s'est passé beaucoup de choses, où par moments, je me suis peut-être un petit peu perdu et je suis parti un peu en live, mais où j'ai toujours gardé en tête cette idée de vous proposer le contenu le plus complet possible pour que vous cerniez complètement l'actualité cinéma. J'espère avoir réussi. Encore une fois, c'est à vous de me dire si c'est le cas ou non. Au niveau de l'avenir de la chaîne, alors là-dessus, c'est très incertain. Je sais que je veux continuer les chroniques sous ce format-là. J'ai quelques idées par rapport à quelques projets, notamment j'ai un nouveau concept pour le mercredi matin. J'espère que ça vous plaira un petit peu plus, mais je pense qu'il a un peu plus de potentiel, pas forcément en termes de vues, mais en termes d'accessibilité. Ça va être un format qui va vous pousser à découvrir un petit peu ce que j'aime dans l'audiovisuel. Et donc là-dessus, j'espère arriver à titiller un peu votre curiosité. Après, j'ai quelques autres idées de format. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour éviter de vous spoiler, mais j'ai un pote avec qui je suis en train de bosser sur un format autour des bandes originales de films. Après, on n'en a pas plus au niveau info, mais je vous tiendrai au courant. On va essayer. Alors, encore une fois, c'est toujours quelque chose de très compliqué. L'année dernière, j'avais dit que j'avais envie de pousser un petit peu plus les courts-métrages et d'en faire un petit peu plus, soit dans les vidéos, soit en dehors des vidéos. Ça a été compliqué parce que 2019, c'était clairement pas une année faite pour faire des courts-métrages. J'ai pas réussi, j'ai pas trouvé le temps, c'était pas faisable. Et à un moment, faut choisir. C'est soit je me consacre vraiment à la chaîne et j'arrive à vous proposer le contenu le plus complet, soit j'arrête complètement et je me mets sur des courts-métrages. Pour le moment, j'ai pas envie. Ça viendra peut-être un jour. Mais là, en tant que tel, j'avais pas le temps et j'avais pas forcément les gens à disposition pour faire ça. On va essayer encore une fois de faire en sorte que 2020 soit une année pour le court-métrage. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais j'aimerais bien. Parce que j'ai des idées, j'ai des projets et je pense que ça peut donner des choses intéressantes. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai envie de créer des concepts. Et des concepts avec des personnes. Ou en tout cas de relancer des concepts. J'aimerais bien relancer, par exemple, Off-Season, parce qu'il y a plein de séries qui m'intéressent. Mais je sais que moi, j'ai pas forcément plus que ça la légitimité pour en parler. Et j'aimerais trouver une personne qui serait plus calée en série, serait dans la région nantaise. Et avec qui ça pourrait matcher pour parler de séries et arriver à créer un format qui soit à la hauteur de ce que Capucine et moi avons mis en place lorsque nous avions fait off-season. Donc voilà, je suis encore en quête de cette personne. Je finirai bien par la trouver, je pense, avec qui j'arriverai à faire en sorte de pouvoir vraiment mettre en forme tout ça. Mais on va dire que j'ai des petits projets, j'ai des petites idées, j'ai des petites choses que j'ai envie de faire. Ça viendra au fur et à mesure de l'année, mais concrètement, j'ai pas une idée claire de ce que j'ai envie de faire sur l'année 2020. Je sais juste que j'ai envie de faire des choses, qu'il y a ce projet de format autour des bandes originales qui va certainement voir le jour et qui sera vraiment intéressant, lui, pour le coup, je pense. Parce que la personne avec qui je le fais, ben, sans trop spoiler, c'est quelqu'un qui, je pense, aura beaucoup de choses à apporter en termes de musique et je compléterai beaucoup avec le cinéma derrière, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et donc, après avoir tiré le bilan des vidéos, l'avenir de la chaîne,
Bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui auront envie de me demander mon avis sur le YouTube Ciné 2019. Je vais essayer d'être très court parce que mon but, c'est pas de faire du drama, c'est de dresser un vrai bilan. 2019, pour moi, ça a été la révélation d'une chose. On est très nombreux. Presque trop. À un point où je pense qu'on va bientôt arriver à saturation. Parce que là, on a vraiment beaucoup trop de critiques ciné sur YouTube. Et j'ai l'impression qu'on est rentré dans ce stade où c'était comme à une époque, il fallait que tout le monde fasse des vidéos sur Fortnite. Maintenant, c'est on doit tous faire des chroniques de films. Ma grande crainte, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui se mettent à faire ça parce que c'est un effet de mode et qui ne trouvent pas forcément leur place et qui du coup est une très mauvaise expérience de YouTube. C'est ma plus grosse crainte. Derrière, j'en vois d'autres qui peuvent être vraiment intéressantes. J'ai notamment découvert une petite chaîne dernièrement qui sort une critique de film tous les vendredis. J'aime beaucoup le concept. Et en plus, il met en avant des films qui ne sont pas toujours plus que ça mis en avant. Il avait fait The Lighthouse la semaine où tout le monde parlait de Star Wars. Et là-dessus, je ne peux que le supporter puisque j'étais dans cette catégorie-là également. Mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui peuvent arriver à trouver leur place. Mais faut trouver un concept. Si c'est juste pour faire des chroniques de films, je pense que là, on a atteint un stade où honnêtement, enfin. Soit en gros, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut faire à la fois des chroniques de films, en même temps des chroniques de jeux vidéo, des chroniques de séries, des chroniques de machin, des chroniques de ceci, des chroniques de cela. Sinon, si on fait juste du cinéma, ça marchera pas. Ce qui pour moi est une aberration parce que tu peux juste faire des chroniques de cinéma si tu as envie. T'es pas obligé de faire 10 000 trucs à la fois pour arriver à toucher 10 000 publics et buzzer comme un fou. Mais voilà, je pense que c'est la mentalité aujourd'hui sur YouTube. Il faut absolument chroniquer le plus de choses pour arriver à toucher le plus de public et. Et ça fait que derrière, je pense qu'il y a des gens qui doivent être déçus, mine de rien. Je me dis que si tu passes du temps à bosser sur des vidéos et qu'au final, les gens, ils te regardent uniquement parce que tu vas faire des chroniques de The Witcher ou des chroniques de The Walking Dead ou parce que tu vas parler d'un film en particulier et derrière tous les autres, ça va faire un four, c'est un peu décevant, en fait. C'est pour ça que je suis bien content, des fois, de pas trop regarder le nombre de vues et de surtout regarder juste si les gens me donnent des bons retours. Je sais que ça peut sembler complètement niais, hein, et qu'il y en a certains qui vont se moquer de moi pour ça, mais honnêtement, c'est vrai que. En fait, je regarde le nombre de vues quand ça monte vraiment vite. Si je vois que ça monte pas très vite, je me dis juste, bah au moins les gens qui ont regardé, ils ont vraiment regardé, quoi. Ils avaient envie d'avoir un avis sur un film qui sortait un petit peu du lot. Et derrière, si ça marche vraiment bien, je me dis, bah c'est cool. Au moins, il y a plein de gens qui se sont intéressés à un truc sur lequel je pensais que ça marcherait pas forcément bien. Selon Myson, par exemple, cette année, c'est une vidéo sur laquelle je m'attendais à ce que ça fasse pas beaucoup de vues, voire très peu. Et au final, la vidéo a plutôt bien grimpé. Pareil pour Asako 1 et 2. Et c'est des films qui, mine de rien, ont. Bah, c'est des tout petits films. C'est vraiment des films qui sont sortis dans moins de 100 salles en France. Et pourtant, bah, ça a réussi à trouver un public sur la chaîne. Et ça, je suis content. C'est la chose que j'ai envie de garder de positif, mine de rien, en 2019. C'est qu'ok, on est beaucoup. Mais sans trop me lancer des fleurs, je reste quand même un des seuls à essayer vraiment de vous parler du plus de films possible. Et surtout, même des petits. Qui méritent peut-être plus que les gros d'être mis en avant parce qu'ils n'ont pas forcément une grosse campagne publicitaire. Au moins là-dessus, je pense que je suis assez fidèle à mes convictions qui sont de mettre en avant tous les films en mettant même les petits en avant. Donc je dirais que c'est ça mon bilan de 2019 pour moi sur YouTube. J'ai peut-être pas toujours réussi à trouver ma place, peut-être, mais au moins je reste fidèle à mes convictions. Bon, je vais vous laisser tranquille parce qu'honnêtement, là, il est quoi, 18 h 30 à peine? Allez, un petit peu plus si jamais vous regardez la vidéo un peu plus tard, mais vous avez envie d'aller faire la fête. Donc allez faire la fête. Allez fêter l'année 2020 qui arrive. J'espère honnêtement que ça va ouvrir de belles portes, que ce soit pour le cinéma ou pour vos vies, pour votre cinéphilie ou pour juste l'amour de vos proches. Et ben, comme je le dis à chaque fois, on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. Et en 2020, on en parlera toujours plus. À plus! Et bonne année, bien évidemment. C'est vrai que ça, on oublie. Mais la bonne année, 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 la bonne année.